Les gars, c'est trop. Ça fait 2 fois que j'essaye de tourner. Et ça faisait 1 heure que j'étais en train de tourner. Là, j'avais réussi. Enfin, voilà, j'allais dire en fait, j'ai un problème. J'arrive pas à prendre l'émission et tout. Donc, j'allais dire, bah, on se retrouve juste après. Et bah, j'allais relancer le serveur. Et ça a arrêté encore la diffusion. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. J'ai réparé les machines, tout simplement. Ensuite, bon, là j'ai mis ça parce que je savais pas comment mettre. Ok, d'accord. J'ai ouvert le calendrier de l'Avent parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un calendrier de l'Avent. Donc j'ai pas mal de choses. J'ai eu des clés de vote, des clés premium, j'ai eu des débris antiques. J'ai même eu un truc qui m'a fait monter, bon, pas très longtemps, en value. Donc vous voyez, value. Je suis montée, mais vraiment pas mal. Et donc je me suis retrouvée top deal 227. Donc voilà. Ensuite, j'ai voulu voir si c'était bien ce bloc qui faisait ça. Je l'ai cassé. J'ai pas réussi à le récupérer. Vraiment dégoûté. Par contre, ce que ça a pas marché pour les clés de vote et tout, parce que j'aurais bien voulu que vous voyez ça. Franchement, c'était super fun à faire. Donc, il dit vous avez pas encore récupéré les trucs du jour parce qu'en fait, bah, calendrier de l'Avent marchait pas juste avant. What? Attends, ils ont changé de place les trucs. Donc, regardez, vous avez récupéré votre cadeau du jour 7. Donc, moi là, j'ai rien. Donc là, je regarde. Fragments de spawner, donc ça c'était moi. Ah bah j'ai encore eu des fragments de clé primo, comme vous pouvez le voir, maintenant j'en ai 24. Donc là on va ouvrir donc le numéro 8 ensemble. Donc qu'est-ce que j'ai eu? J'ai pas eu d'argent, oui parce qu'on peut aussi avoir de l'argent, j'ai eu 10 000. Oh, j'ai eu 4 stacks de terre. Mais attends, on va commencer vraiment à être bien au niveau terre. Ok, donc ensuite on va ouvrir le jour 9. J'ai toujours pas eu d'argent et tout, donc... De ville de jeu. Mais non! De ville de jeu. Mais non! Mais non! Ok, donc là j'ai pas eu d'argent, j'ai eu triple mieux. Les gars, c'est trop, j'ai eu une clé premium. Bon, c'est n'importe quoi. Donc maintenant, jour 11. J'ai eu de l'XP dans tous les trucs. Alors, vous êtes maintenant Ashtimis niveau 2. Enchanteur niveau 2. Ouais, putain. Vous avez gagné 200 000 XP en tant que farmer. Ouah. Non, 20 000 XP. Donc là, je suis bientôt farmer niveau 7. 20 000 XP en tant que pêcheur. Vous êtes maintenant chasseur niveau 4 et bûcheron niveau 4. Putain. Mais ce calendrier de l'Avent, il régale. Donc il nous reste une case à ouvrir, c'est celle-là. Et après, on aura tout fini. Ok, qu'est-ce que j'ai eu? Ah si, j'ai eu des fragments de clé premium. Donc là, on en a 40 en tout. Donc on va aller ouvrir ça avec vous. Bon, bah ce sera le seul truc qu'on aura ouvert ensemble, MDR. Mais franchement, vous allez voir, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Donc on va tout simplement aller ouvrir. Donc là, on a les clés de vote premium. Là, on a les les box premium. Mais plus, les premium plus. Et donc là, on a les clés de vote. Et box premium. Et let's go, c'est parti. Donc on va voir tout ça, vous voyez. C'est ça que j'ai eu tout à l'heure. Mais j'en ai eu qu'un seul. Imaginons, on en a 4. On peut avoir un spawner et tout. Non, j'ai eu quoi? 128 sapes des âmes? Vous êtes sérieux? Franchement, je suis trop content, les gars. Là, on a un villageois. On va prendre donc mon œuf de villageois. Donc, il va me falloir du bois. Donc, on prend tout ça. Merde, il faudrait une table de craft quelque part, hein, quand même. Donc on fait 3 bouquins et une bibliothèque. On s'occupera plus tard, vous inquiétez pas de faire. Voilà. Ensuite on va faire donc ce que je voulais faire. On va faire des dalles. Et enfin le pupitre, les gars. Entre tous les trucs, on lui mettrait une petite maison. Genre on lui ferait un petit truc comme ça là, tac. Genre un petit truc comme ça. Bah franchement, ça va. Donc on va le mettre à l'intérieur. Et donc je vais essayer de lui faire un bon truc. Donc il me faut, je vous explique, il me faut du papier contre des émeraudes juste ici. Ça pourrait être juste incroyable. Et ici, un livre, juste n'importe quel livre.
Efficacité 5. Ah bah c'est bon, les gars. Deuxième truc, on l'a. Il me propose 24 de papier contre un émeraude. Donc ça, c'est le truc le plus rentable vu mon truc de canne à sucre. Et là, il me propose 22 émeraudes contre un livre enchanté efficacité 5. Je sais même pas s'il va réussir à tout m'échanger, hein. Attends. Ah, c'est bon. Il prend. Donc, on va le faire prendre jusqu'à temps qu'il veut plus. Et voilà, j'en ai plus. Ça, comme ça. Et ici, on va mettre donc toutes les émeraudes, le papier. Et c'est carré, les gars. Tiens, on a 8, 8 de fer. Je sais pas quoi en faire. Donc, vous savez ce qu'on va faire? Alors, j'ai quoi? Il manque quoi comme armure? Il manque ça et ça. Et donc, vous savez ce qu'on va faire? On va faire les jambières. Partir pour faire bah, les tâches d'après, hein, les gars. Ok, donc c'est parti pour un petit timelapse avec moi, donc le max du monteur. Donc, comme vous l'avez vu déjà au début de la vidéo, j'ai fait une nouvelle intro. C'est bien moi qui l'ai faite. D'ailleurs, j'ai vraiment galéré. Je voulais que ce soit mon intro et non une intro que j'ai reprise sur Pentzoid. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, je m'occupe de relier les ascenseurs à la dernière, au dernier étage. Oui, parce que ce sera le dernier étage. Vous allez le voir. Donc, bah là, tout simplement. Ce sera le dernier étage que je vais faire. Donc voilà, là je m'occupe de relier tous les ascenseurs. Et franchement, c'était plutôt long. J'ai passé presque, ouais, j'ai passé 1 heure dessus, ouais. C'était vraiment long et c'était vraiment chiant à faire. Et je savais que ça allait être chiant. Donc c'est pour ça que, genre, pendant 2 épisodes, j'avais la flemme de le faire. Mais bon. Donc voilà, j'ai donc là, comme vous le voyez, là je suis en train de relier le dernier ascenseur puisque bah là on pouvait plus aller sur la plateforme de carottes. Donc voilà. Donc là je me suis occupée de faire l'ascenseur donc pour monter. Là j'ai dû casser parce que sinon on pouvait plus passer, donc c'était vraiment chiant. Donc voilà, j'ai dû remettre des petites dalles. Voilà. Là je me suis occupée de raccorder les murs pour que ça soit quand même un petit peu joli, un minimum quoi. On va pas se le cacher. Voilà, là j'ai mis comment des escaliers, voilà. Ensuite, je me suis occupée de faire un espèce de petit couloir. Là, je me suis occupée donc, vous voyez, de l'ascenseur bas d'en bas. Là, j'ai déplacé le tonneau parce qu'il prenait trop de place pour ici. Ensuite, donc pour là je me suis occupée de l'ascenseur donc pas pour monter. Donc voilà. Donc en fait, à chaque fois, je devais redescendre. Bah voilà, donc là je sautais, je reprenais de l'eau avec mes 2 seaux d'eau et j'en montais pour finir l'ascenseur. Oui, parce que on est obligé d'avoir une source par bloc, enfin par cube, enfin je sais pas comment dire. Bref, donc voilà. J'espère qu'en tout cas ces petits timelapses vous plaisent. Si ce genre de timelapse vous plaise, n'hésitez pas à me le faire dire dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir votre avis. Et d'ailleurs, aujourd'hui on est le 2 janvier, ou le je sais pas quand je vais sortir la vidéo, peut-être le premier ou le 2, mais donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année, voilà, tout simplement. J'espère que vous allez passer une super bonne année et j'espère que on va encore passer un super bon temps sur le serveur, enfin ici. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord bientôt, donc bah demain normalement, enfin si je sors la vidéo le premier, en gros le 2 janvier, je fais gagner un rôle modérateur sur le serveur. Alors on est en train de s'occuper des votes, donc n'hésitez pas. Voilà, le rôle ce sera des votes aléatoires, donc par un bot, et donc les rôles seront pris au hasard. Et donc sur ce, je vous laisse avec la fin du timelapse et ciao ciao tout le monde. Là, les gars, on va commencer donc à faire. Bah, va falloir faire tout simplement une plateforme. Mais c'est sérieux? Voilà. Donc là, en gros, les gars, je vais faire tout simplement des rangées. En faisant attention de bien garder 2 d'espace à chaque fois, vous allez voir après. Pour l'instant, je vais mettre que 2 de hauteur. Voilà. Ensuite, donc là, je vais bien mettre 2 d'espace. Non! 3. On va pas faire la même erreur qu'avant. On va bien mettre 3 d'espace pour bien pouvoir passer. 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que en gros, là, il y aura des cacaos.
Là, il y aura du cacao. Et donc, la dernière fois, on pouvait vraiment pas passer. Maintenant, comme il nous reste énormément de bois. Oui, bon, vous inquiétez pas, les gars. Vous allez dire, ouais, mais bon, là, il y en a moins que avant. Avant, bah, t'avais des plus grandes plantations. Mais vous inquiétez pas. Déjà, là, j'ai fait que sur deux de hauteur, juste pour faire. Voilà, le début. Là, hop, on repart sur du. Allez, 3. Donc là, on a ce truc de lave. Ça, là. On va le prendre. On va aller dans les minerais. On va s'acheter une druste améthyste. Confirmé. Et let's go, mon gars. Bon, il nous reste 8000 euros. En vrai, ça va. Sachant que maintenant, j'ai un villageois. Donc le prochain objectif, c'est 125 000. Ouais. Donc là, on va faire ça. On va le poser ici. Hop, on prend les blocs de spéléothème. On les pose juste là. Ensuite, on prend le spéléothème pointu. On va le poser ici. Et il a toujours pas poussé. Et regardez, regardez, regardez. Value 3,5. Top deal 227. Juste grâce à ce putain de bloc, on a gagné 3000 de top. Pierre, de terre, je veux dire. Même si bon, j'ai pas besoin de 41 de terre. On va faire ça. On va faire un bambou. Normalement, ça empêche pas le truc. Donc voilà. Maintenant, on va tout placer. Et là, on va pouvoir en fait les récolter beaucoup plus rapidement parce qu'on va avoir beaucoup plus de place. Toutes les cultures qu'on aura récupérées à tous les étages. Et on va tout vendre comme ça. Je pense qu'on va se faire allez, 5000 balles. Moi, je pars sur 5000 balles. Donc là, je vais mettre deux lianes. Et après, eh ben, on va pouvoir les récupérer plus tard. Allez, go, on va descendre et donc on va faire ce que vous attendez tous et toutes depuis longtemps. C'est faux. Encore 4. Parfait. Donc là, j'en ai 12. Voilà, c'est carré. Donc 12 tonneaux. Non. On va redescendre. Et donc là, on va les mettre bah, à tous les endroits où je voudrais, pourquoi pas, vendre des trucs. Comme ça, moi, j'aurais pas à aller chercher partout. J'ai peut-être un petit peu abusé. Donc je vais vendre ça à 0,6 euros. Je sais pas. Je sais pas du tout si c'est bien là. Bon, on va vendre ça comme ça. Je mets juste un truc comme ça. C'est moi qui bug, c'est pas possible. Et enfin, les gars, on va faire ce que je pense vous attendez depuis longtemps. Hop. Slash. Sell. All. C'est tout, sale fils de pute. Bon, moi en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Donc, on se dit à bientôt. Pour de prochaines vidéos et de prochains lives, je vais faire bien attention pour appuyer deux fois sur le bouton share. Ciao ciao tout le monde.